Voilà, je suis venu ce matin au palais de justice, dans l'office du procureur général près la cour d'appel de Gombe, et en particulier dans le bureau de l'avocat général qui détient mon dossier pour confirmer la plainte qui a été déposée par mon avocat. En clair, il s'agit de ceci. Vous suivez la manifestation de la cybercriminalité depuis quelques mois, où je fais l'objet des attaques par des personnes mal intentionnées qui m'imputent des faits faux. Il y a des faits constitutifs d'infraction d'imputation dommageable, des faits constitutifs de dénonciation calomnieuse, des faits constitutifs d'injures publiques, des faits constitutifs d'infraction de faux bruit et même des faits constitutifs d'infraction de tribalisme, de la haine tribale. Notamment, il a été dit dans les réseaux sociaux récemment que je détiens un cachot où des Congolais sont emprisonnés et qui sont devenus des squelettes vivantes. Il a été dit que j'avais dans ma parcelle chez moi à la maison 2000 militaires étrangers et qui étaient là pour déstabiliser les institutions. Il a été dit que le confinement de Gombe n'était pas à cause de la maladie. Il a même été dit que je suis malade moi-même de coronavirus, mais que c'était pour que l'armée fasse le travail justement au sein de ma maison ou de ma parcelle. Il a été dit beaucoup de choses. Avant ça, il a été dit qu'il y avait eu, si vous voulez, des grenades jetées sur ma maison. On a montré des images de personnes ensanglantées. Il a été dit que j'étais atteint des péchés en Afrique du Sud, de mort. Il a été dit que j'étais atteint de la maladie plus tard. Et vous suivez tout ce qu'il y a dans cette ville. On m'impute, moi, de décès en cascade à la présidence. C'est choquant. Je suis un personnage public. Je suis un père de famille. Je vis de l'éthique et de ma foi, et mon travail me suffit, par grâce de Dieu. Alors, parmi les auteurs de cette cybercriminalité, quelqu'un qui s'est affiché publiquement, qui a ouvert deux comptes Facebook, qui a diffusé ces informations qui ont été relayées par des milliers de personnes dans le monde, tous les continents, parce que ça a un fait multiplicateur, allant jusqu'à soulever, si vous voulez, des passions pour des faibles personnes qui n'analysent pas, qui croient que tout est vrai, jusqu'à dire il faut l'arrêter immédiatement. Il a même fait recours au conseil spécial du chef de l'État, en disant qu'il prépare des troubles, il faut l'arrêter immédiatement. Vous avez donc là, si vous voulez, un décor planté pour la vindicte populaire. Quelqu'un me tuerait sur la route, se croyant être un héros parce qu'il a tué le criminel en question. Non, je ne suis pas criminel. Dieu est juste. Voilà que depuis quelques jours, l'auteur principal de ce réseau est arrêté. Il est à Makala. Alors, la plainte avait été déposée il y a quelques jours par mes avocats. Aujourd'hui, je suis venu confirmer la plainte sur un interrogatoire portant sur les éléments clés de cette plainte. J'ai signé le PV. Ce qui reste maintenant, c'est un grand procès, le premier procès en République démocratique du Congo sur la cybercriminalité. Il faudra bien le couvrir. Je suis peut-être le plus connu à cause de mes fonctions passées et actuelles, mais il y a des milliers de victimes dans les réseaux sociaux qui ne savent pas quoi faire parce que leur image est souillée, leur dignité est ébranlée, leur considération est bafouée, et leur honneur et leur réputation. Voici donc un premier procès où nous attendons voir comment la justice va, grâce à l'effet intimidateur de la peine, asseoir, si vous voulez, la garantie pour tout citoyen que personne ne peut se lever chaque matin, manipuler son Twitter ou son compte Facebook et répandre dans le monde entier de faux bruits et des mensonges. J'ai demandé qu'il y ait des peines exemplaires et je crois fermement à la justice. Fondamentalement, je crois en la justice. Et je pense que, Dieu voulant, nous aurons la condamnation de cette personne. Le procès est public, donc ça va se savoir. Et après, j'espère qu'il y aura une baisse sensible pour que les gens réfléchissent avant d'agir, avant d'imputer, que ce soit les autorités, que ce soit les personnes ordinaires. Merci beaucoup. Merci. Mais certainement, il y aura des candidats pour chanter pour lui. Il a fait beaucoup de choses dans ce pays. J'ai eu la chance de travailler avec lui dans l'espace dit présidentiel. Il y a eu beaucoup de réformes, notamment la constitution actuelle, c'est le plus grand acquis, mais aussi d'autres réformes qui font marcher le pays, y compris la mise en place de la démocratie. On l'a fait ensemble, mais il était le premier d'entre nous, et plus tard, lui a continué évidemment des années où j'étais dans l'opposition. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi la résultante, si vous voulez, comment dirais-je, de l'alternance démocratique. À tout seigneur et tout honneur. Merci.